Bonjour YouTube, on va faire la tier list bonus. Bah en fait, je sais même pas si elle a un nom, mais c'est la tier list des fan art de moi-même. Alors, c'est vraiment pas pour me mettre en avant, hein. C'est vraiment Papa Biggie et toute la clique qui a préparé tout ça en secret. Et ouais, c'est fou, c'est rien que de voir la miniature, c'est pas mal. Moi j'aime bien, hein. Moi, j'aime beaucoup les miniatures. Alors, on va faire le tour du coup. Alors forcément, je vais me spoiler un peu en regardant en gros, mais... Alors, From Papa Biggie. Ah oui, ben voilà, ouais. Je suis... Attends, quoi, je suis la pire prêtresse de Noël du monde. Ah, bah voilà, bah bravo, hein, ça reprend les seins de merde de Sam Snack Bar. Attends, pourquoi il y a deux... Il y a pas Peggy, il y a Sam Snack Bar. Ouais, ça, c'est Sam Snack Bar qui a dû le dessiner, ça, du coup, c'est ça. Ah oui, là, bah, je suis sur les meilleurs fanarts. Salut, Gagaro. Ah, putain, merde, mais il est complètement dégueulasse. Putain, il s'est foutu de ma gueule, ce con. Ah, quel connard. Où est-ce que... Alors, si on regarde bien, il y a de l'idée, quoi, mais... Il y a un peu du foutage de gueule aussi derrière, hein, c'est terrible, hein. Putain, mais merde, mais là, je vais m'en vouloir de mes cernes et tout, c'est terrible, hein. Je trouve que c'est très exagéré, hein. Je sais pas qui a fait ça, mais... On se... c'est... T'as du foutage de gueule, ça, hein. Là, mes cernes... Ah non, je vais pas être en gothière. Non, je vais être pragmatique, quand même. Non, mais merde, mais pourquoi? Pourquoi? Mais oui, j'ai des cernes, mais je peux rien faire, quoi, merde. Par contre, le lionceau, il est mignon. Regardez, il est là. Ah, mais en fait, j'ai remis le hoodie. En fait, j'ai mis le bon hoodie, en plus. Ah ouais, non, c'est pas le bon. Là, c'est le gris. En plus, je suis pareil, là, en plus. Je suis exactement pareil. J'aime bien, il n'y a pas de catégorie pour ça. Bon, c'est comme du Picasso, ça, quand même. Il y a quelque chose, hein. Alors, après... alors, je vois pas, mais bon, je pense que je vais le retrouver. C'est un des dessins les plus clairs. Ça va être celui-là. Ah, c'était Lyotosaur! Putain, le boss. Ah oui, là, t'as Sam, là, t'as Lyotosaur. Là, c'est Ga. Là, c'est Gagaro? Ouais, Lyotosaur, bah ouais, du coup, j'ai vu. Oh putain, c'est trop stylé! Mais c'est trop bien! Même avec les billes et tout! Smart Quest, purée, ouais. C'est fini en plus, c'est un Smart Quest, hein. Ça sera plus sur ma chaîne après, terrible. Par contre, il se passe des choses bizarres là, non? Enfin, les micros. La bannière. Est-ce qu'il y a une signification sur cette bannière? Là, il y a les billes, il y a Marble, il y a le RP, il y a Smart Quest, il y a le cœur. Il y a Pikachu. Il y a le casque de beau gosse. Là, les animaux du quotidien. Ah, c'est Général Arachnide. Bah oui, GA. Général Arachnide, mais putain, quel boss. GA, bah oui, logique. Putain, mais t'es un artiste, mon gars. Ça, c'est très bien écrit, hein. C'est très propre, hein. Le Pikachu fait un peu peur. Là, je reconnais la touche animaux du quotidien, là, effectivement. Effectivement, là, je reconnais. Je reconnais le Pikachu du quotidien, là. Effectivement, c'est... C'est beau. Ouais, non, animaux du quotidien, c'est beau. Oh, putain, merde. J'ai vu des grandes... Je pense que c'est comme du Picasso, hein. J'ai vu le montage après au secours, quoi. Le chanteur, Fanart Lane. Ah bah... On sent que Lennart, c'est quelqu'un qui s'investit beaucoup dans ce genre de projet. Et je sens que... Je pense que il a fait beaucoup plus qu'il ne fait d'habitude. Je pense que c'est pas mal. J'ai un peu le cœur d'Undertale. C'est vrai, hein. Moi, je pense qu'il a fait exprès, hein.
Mais voilà, je pense qu'un nouveau mouvement artistique est né, hein, là, clairement. Clairement, quoi. Ouais, le prochain, je pense qu'il va être terrible. Hein. Ouais. Ah ouais, là, ça, c'est... on sent bien la touch... la paddy touch. Putain, mais au secours, quoi, Siri, j'ai une tête d'œuf là-dessus. Oh, je peux zoomer en plus, bah oui, sinon c'est pas drôle. Mais merde. Et c'est là que je remarque que j'ai un super grand front, quoi, c'est terrible, quoi. Ah, terrible, hein. Ah, cette référence à Bordeaux, c'est très solide, hein. C'est très solide. Ça, c'est comme du Picasso, hein. Pareil. Hein. Pareil. Oh, regardez, il y a une pub! Abonne-toi! Oh putain, j'aurais dû la mettre ailleurs. Bon, c'est pas grave. Oh putain, je la cache un peu. Terrible. Donc du coup, cette vidéo sera sponsorisée par Pipaquet. Voilà. Merci à Pipaquet. Nouvelle plateforme multijoueur de jeux rétro. Et oui, moi qui suis fan de jeux rétro. J'ai pas vu celui d'après. Celui d'après, c'est Fanart. Alors là, du coup, je sais pas qui c'est celui-là, mais... je pense que pareil, c'est un nouveau mouvement artistique. Hein. Y a un début de quelque chose. Il y a un début de quelque chose. Ah, le v'là, le Gagaro. Ah, merde, on dirait un personnage de jeu vidéo de Nintendo, quoi. Avec des méga mains et tout. Et c'est... Ralph. Le pseudo commence par Y. Isned. C'était Isned. J'ai qui d'autre? Non, c'est celui d'avant. C'est pas Isned. Attends, par un Y. Yoshix. Ah putain, oui. Évidemment. Ah, il s'est quand même donné du mal, hein. Même là, Gagaro, c'est un style aussi, hein, Gagaro. Hein. C'est un style. Il n'y a pas de catégorie pour ça, c'est... je sais pas si je l'aurais au milieu, ça. Le style de ma fille. Bah écoute, tu as bien fait, je pense que c'est une artiste née. Hein. Auréole de boss, yeux pleins d'amour... Voix d'ange, style de boss. Ouais, bah tout est dit sur celle-là. Parfait. Par contre, j'ai pas de chemise verte. Hein. Je pense que ça, c'est un signe pour que j'en achète une. Mais le problème, c'est comme le fond est vert, ça va être compliqué, quoi. Ah, mais il est cool, celui-là aussi. Ça vient de Toulouse. Celui-là ? Bah, c'est toi. Toi, tu viens de Toulouse, non ? C'est qui vient de Toulouse ? Bon, on va mettre là, comme du Picasso. Hein. Non, de Bordeaux. Oui, de Bordeaux. Ah. Bah, Bordeaux, du coup... c'est Pop Chaké, je pense, non ? Et qui a d'autres à Bordeaux ? Putain, ils savent même bien dessiner, c'est fou. Ici, ah bah oui, ah bah alors là... Ah, mais il a repris un de ses dessins de des défis fantastiques. Il dessine trop bien quand même. Hein. L'artiste. Il pourrait faire mettre de la vente ses dessins. Quoi. C'est le dessin de 21h05. Genre d'aujourd'hui. Il a repris une page de son cahier, je crois. C'est quand on était... c'était dans... comment ça s'appelle ? Merde. Barbarian of Lemuria, c'est quand on entrait dans le top, dans le désert, là. Temple. Désert. Le boss, hein. Il dessine bien, hein. En fait, il n'y a pas de catégorie pour ça, parce que c'est trop beau. Ensuite, on a celui-là.
On dirait un personnage de South Park, quoi. Oh, c'est un pote à Eric Cartman, ça, je reconnais, hein. Oh, c'est quoi ça? On dirait que j'ai des poils, non? Pourtant, je les ai jamais montrés, mes poils de torse. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'aurais pris un stream pendant que j'étais bourré? Possible. Mais je m'en souviens pas. Ah, il est pas mal, ce dessin. Il est pas mal, j'aime bien. Fox, Fox. Ah, oh, il est rigolo, son dessin. Smarties by Isned. Pourquoi? Quoi? Pourquoi? J'ai pas d'autre mot que pourquoi. Je vous avoue, je me reconnais pas spécialement dans ce dessin, mais c'est ton mi. Ouais, mais même, je... Je comprends pas, je ne l'ai pas. Écoutez, un mouvement artistique est né, je pense. Après lequel, je sais pas trop, mais... ensuite, on a Smarties jaune. Ah, mais ça a vraiment été dessiné, ça, en fait. C'est pas une blague. Au début, de loin, je me disais... Comment? Je me disais, c'est quelqu'un qui a juste repris une photo, qu'il a mis en fond noir... Ah putain, en plus c'est bien parce que c'est quand j'avais les cheveux courts, du coup j'étais un peu plus présentable. Il est trop stylé celui-là. On dirait une pochette d'album. Et si je fais un... Si je commence à écrire des chansons et tout, je pourrais mettre ça en affiche d'album. Hein. C'est carré, c'est propre, c'est... Là, il reste plus qu'à faire un... Comment ? Un single et c'est parti, hein. Au plus, il est cheveux longs. Le problème, c'est que j'en fais n'importe quoi de mes cheveux longs aussi. Mais cette image, elle est vraiment trop bien, en fait. C'est qui a fait ça? C'est archi craqué, en fait. Ça, je valide, mais je valide 1000%, quoi. C'est Dibo. Ah ouais, putain, c'est... C'est archi propre. C'est archi propre. Oh, puis le dernier c'est le meilleur, hein. Aussi là. Je pense que bizarrement, tu vois, c'est celui-là qui m'a le plus fait quelque chose, quoi. C'est le petit Isaac là, c'est. C'est trop bien en fait. C'est trop cool. Putain, j'en ai les larmes aux yeux, là. Merde, faites chier. C'est pas évident, c'est pas évident. Ah, merde. Ah, vous êtes pas cool. Ah putain. Je crois qu'il m'a tué le Isaac là. Bah, c'est un beau cadeau, hein, du coup. Oh, 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 oui, 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 oui.
Oh, oh, oh. Ah non, ça c'est beau. Merci pour l'abo. Ah putain. Merde. Ah, le Isaac qui m'a tué. Ah merde. Ah putain de merde. Je pense que j'aurais pas meilleur cadeau cette année. Que ça. Et ça me va très bien. Ah merde. Ah, vous êtes fous, putain. Ah ouais, alors ton dessin, il est magique, hein. Je pense que je l'ai très bien classé, d'ailleurs. Je l'ai mis là. Je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen de faire quelque chose. Je pense que tu peux faire carrière dans le dessin. Ah putain, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Ah merde. Il faut que j'assure là jusqu'à la fin du live maintenant. Hein. C'est terrible ça. C'est terrible. Bah merci beaucoup en tout cas. Et je pense que... je pense que je peux pas trop cacher ce que je ressens là-dessus. Sur cette tier list magique. Mais bah merci. Merci beaucoup. Et je vais bien les garder précieusement. Hein. Y a pas des soucis. Ah. Bah des bisous YouTube, hein. Je pense que vous avez pas besoin d'avoir plus de larmes chez vous. Des bisous YouTube, hein.